va bien. Écoutez, nous, ça va, plus ou moins. Le dimanche a été très... Voilà quoi. Donc je m'en excuse, normalement dimanche après-midi, je devais faire un live batch cooking. Au final, mon mari, vers midi et demi, 13h, m'a dit, bah écoute, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas au Luxembourg pour être tranquille, faire les courses que tu as à faire et reprendre des boissons. Donc j'ai dit oui, et puis je me suis dit, merde, j'avais un live. Donc au final, je l'ai programmé à lundi matin, et encore une fois, je ne suis même pas sûre de savoir le faire. Donc ça va être très très compliqué. Mais bon, j'espère pour vous que je parle plus fort que d'habitude. Donc voilà, vous l'aurez compris, si je vous dis Luxembourg, ça veut dire que nous avons été faire les courses au Delhaize. Mon mari s'est juste repris deux fardes de cigarettes au cas où, étant donné que les cas là-bas réaugmentent assez bien. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai filmé exprès le premier rond-point à la baraque friture. Aucun contrôle, le deuxième il n'y en avait pas, et j'ai montré le dernier rond-point qui normalement est vraiment à la limite. Aucun contrôle non plus. Alors par contre, le petit bonheur qu'on avait au délai, c'est qu'il n'y avait personne. Par contre, comment vous dire que la dernière fois mon mari avait été tout seul, oui encore une fois, hashtag raconte ta vie Laetitia, mais vous aimez bien la longue, il avait été tout seul, il en avait eu pour 101 euros, le caddie débordait, mais c'était beaucoup des boissons. Comment vous dire que là, le budget... Voilà quoi. Maintenant, ne commencez pas à me jeter la pierre, à me dire, il n'y a rien à manger, il n'y a pas de bonne chose. Si, mais là, non. Là, non. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais été au marché et que j'avais été à la boucherie. Donc, on a le plat de bons légumes. Pas des légumes surgelés, vraiment des légumes frais. Qui finalement sont surgelés parce que je les ai conditionnés et je les ai mis au congèle, et assez bien de viande. Donc, on est tranquille. Donc ici, je vais essayer de vous montrer tant bien que mal, parce que ça ne va pas être évident du tout. Donc à un moment donné, vous allez me voir et peut-être plus. Donc je ne saurais pas vous dire. Mais bon, voilà, donc mes loustiques, je vais commencer par les produits, et puis je prendrai ce qui passe sous la main, parce que j'ai tapé tout sur la table. Donc je vous dis à tout de suite mes loustiques pour vous montrer l'étendue des dégâts. À tout de suite. Bon, voilà, mes loustiques. Je prends comme ça vient. On va commencer. Alors oui, on avait fait le Delhaize et on avait vite été à la foire fouille. Tout simplement parce que mon mari avait dit oui à la petite pour se prendre une boîte. Une style de boîte booster Pokémon et un livre. Donc moi, j'avais profité pour faire le plat, entre guillemets, de produits de nettoyage, tout simplement parce que je n'en ai presque plus. Alors oui, vous allez me dire, mais pourtant tu avais un fameux stock Laetitia, oui, mais dans les produits de nettoyage, plus du tout. Il ne me reste plus que ça, dans un de mes bidons. Alors oui, pour la lessive, l'adoucisseur, pour la vaisselle, ça, tout ça j'ai. Mais pour nettoyer, j'en ai presque plus rien. Et j'en ai besoin. Donc oui, fatalement, il y aura quand même pour la lessive. Mais bon, je vous montre ça tout de suite. Donc, on va commencer avec la lessive. J'avais pris 19, vous savez, le style de pastille. Super croix, Brésil tonifiant, fleur de passion et coco verde. Donc, comme ceci. Donc, il y en a 19 à l'intérieur. Elles sont vraiment très, très bonnes. Alors oui, je vais mettre où il y a de la place parce que c'est pas évident. Et il faut que je pense qu'en reculant, je dois parler plus fort aussi. Bon. Alors ici... C'était un lot de 2 Arpic hygiène longue durée détartrant propreté sans chasse. On verra bien. Élimine 99,9% des bactéries. Oui, mais on sait bien quand ils disent ça que. Ouais, bon. Donc, comme ceci. Donc, il y en a bien 2. Alors, toujours dans le nettoyage du Carolin multi-usage dégraissant, super puissant sur tous les types de saleté. Fraîcheur Provence, rinçage rapide. Alors moi par contre, donc je vous le montre, c'est celui-ci. Alors moi par contre, même si c'est un spray, voilà, même s'ils peuvent dire séchage rapide, peu importe, je ne l'utilise jamais pur. Ce qui veut dire que je prends vraiment une loque assez bien humide, je mets du Carola dessus, je nettoie et puis j'essuie. Voilà. Mais encore une fois, c'est chacun sa façon de faire.
Alors, ici, c'était nouveau, enfin, du moins nouveau dans, à la foire fouille, du Sif Flour Expert Kitchen. Je vais essayer de regarder quand même en français parce que. Produit lave-sol pour cuisine élimine efficacement les traces de graisse et d'aliments. Et celui-ci, il était à 2,29€. Moi, je me disais aussi, je ne voyais pas le prix dans le rayon. Et le prix était juste derrière. Donc, 2,29€, c'était celui-ci. Voilà, voilà. Alors, toujours pour le nettoyage, Team Maniaque. Carolin, parquet moderne, vitrifié et stratifié aux extraits d'huile de lin, nettoie, revitalise et redonne de l'éclat. On sera bien. Comme ceci. Tout simple aussi. Alors oui, vous le savez. Là, je vais quand même rabâcher un petit peu. Je n'ai pas le retour, ce qui veut dire que là, j'ai juste l'arrière de mon téléphone. Donc, je ne sais pas si je suis mise droite. Je ne sais pas si je suis mise trop loin. Et je ne sais pas si je vous montre correctement les articles. Mais normalement, pour mon anniversaire, chérie compte peut-être m'acheter un nouvel iPhone. Attention, pas l'iPhone dernière génération. Hein, vous ne mettez pas ça en tête. Hein, non, il ne faut pas déconner non plus. Hein. Je crois qu'il y en a un, c'est le iPhone 8 ou le XS. Enfin, je ne sais plus. Il est aux alentours de 200€. Voilà, 200€, on peut se le permettre. Quand on sait, au mois d'avril, on peut se le permettre. Donc, et normalement, au mois d'avril, je vais me faire un cadeau à moi-même. Oui. J'en ai parlé hier à mon mari, j'aimerais bien moi acheter une poule. Voilà, pain. Et quand mon anniversaire tombe dans les vacances de Pâques, donc on verra bien. Ici, pour terminer dans le nettoyage, oui, du Carolin Lavant Fraîcheur Fleur Rouge, nettoie à fond tous les sols, fraîcheur longue durée. Comme ceci. Comme ceci, et c'est fini avec les produits. C'est déjà pas mal hein, quand même. On a essayé de faire mollo. Pourquoi ? Il restait 200€ pour les courses. Parce que oui, si vous comptez, vous allez me dire « On a vu ta vidéo de remplissage d'enveloppe, tu avais quand même 1 400€ dans l'enveloppe course. » Oui, mais si vous comptez, normalement la vidéo retour de course, marché et boucherie vient juste avant, logiquement. Mais j'en ai quand même eu pour à peu près 110€ à la boucherie, 25€ au marché. Il y a eu des autres petites dépenses au marché qui ont été retirées dans une autre enveloppe. On avait fait donc les courses du Carrefour que vous aviez vu la dernière fois. Ça avait été retiré du budget course également. Et après, j'avais été... Mais là, je ne voulais pas filmer parce que j'étais sur le cul. Il y a un petit délaise, en fait, tout près de chez nous. Je me suis dit, je vais aller là. Il sera sûrement moins cher que le petit GB. Eh bien, pas du tout. Pour vous dire, j'avais pas grand-chose. J'en ai eu pour 40€. J'ai été dégoûtée. J'ai dit à mon mari, j'y étais une fois, je n'irai pas deux. Mais bon, ici, je me suis dit, c'était pas grave. On a encore, de toute façon, sur la carte. Pour ceux qui ont suivi, j'ai de l'argent dans les enveloppes. Ce que mon mari m'a demandé de retirer, c'était le supplément, mais nous avons encore de l'argent sur la carte en cas de besoin. Donc, si tu arrives sur la chaîne et que tu entends ce passage-là, et que tu te dis, ouais, mais 200€, il n'y a rien, non. Pareil, dans le petit i, les retours de course, le retour du marché, de la boucherie. Mais bon, voilà. Alors, toujours à la foire fouille. J'avais repris 10 moules à cake. Alors ça, tout simplement, c'est pour faire mes banana bread. Donc, dès comme ça. J'adore ces moules-là. Par contre, je ne sais pas ce qu'il y a au Luxembourg depuis 2 mois. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas réapprovisionnés. Ce qui veut dire, dans les Monsters, ceux que mon mari n'a pas trouvé l'autre fois, ils y étaient, mais ceux qui l'avaient trouvé, ils n'y étaient pas. À la foire fouille, c'était pareil. Presque tous les rayons étaient vides et ils mettent la date produit à disponible depuis le... Et ça fait 2 mois. Et en même temps, petit aparté, hashtag raconte ta vie encore une fois Laetitia. Au délaise, je vous avais raconté que par rapport à certains articles, donc je prends en exemple les bouteilles d'eau, on a droit à 5, 10 ou 15% en fonction du dernier paiement à la caisse. Donc la dernière fois, mon mari en a eu pour 101€, normalement, on avait droit à 5% sur les bouteilles d'eau, des boissons et tout ça. Ben, bref, je vois encore une fois qu'on ne les a pas. Du coup, il y a un petit souci, enfin bref, je demande.
Et en fait, non, c'est pour éviter que les gens viennent profiter des promotions au Luxembourg par rapport au Covid. Mais de toute façon, c'est quand même moins cher de base, donc je vois pas à quoi ça sert. Mais bon, c'est pas grave. Pourquoi? Pour économiser. Honnêtement, si on aurait dû économiser sur les packs d'eau, on en aurait économisé 3-4 euros. Et je vous l'expliquerai après, de toute façon, on a quand même économisé 5 euros. Je patine, c'est grave quand même. Donc, je disais, 10 moules à cake, comme ceci, mais je vous l'ai déjà montré. Et 5 barquettes plates de Hullit avec couvercle, j'avais pas vu. Oh, c'est cool. D'habitude, je prends toujours ceux sans couvercle. Donc, j'en ai 5, 10, 15. Donc, j'en ai 3 en tout. Comme ceci. Donc, 1, 2, 3. Le compte est bon. Alors, je commence par quoi? De toute façon, je crois qu'il n'y a pas de grande différence. Alors, j'ai pris chips, tortilla chips, nachos, cheese, Mexico, comme ceci. Et ça, ça va avec ceci. Donc, cheese dip, Mexico aussi, de la sauce fromage. Donc, il y en a deux, comme ceci. Alors, j'en ai pris deux. Vous allez me dire, mais t'as pris que la chips? Ben oui, totalement. J'en ai pris deux parce que mon mari, le pot de fromage avec les chips, il le mange très vite. Donc, moi, quand j'en veux, ben, je suis obligée de racler vraiment le faux du pont. Le faux. Oh, le faux du pont. Le lapsus. Le fond du pot. Donc, voilà, c'est pour ça que j'en ai pris deux. Alors oui, la sauce fromage, je pourrais la faire moi-même, je pourrais me casser la tête, honnêtement. Alors ici, de la maïzena, donc la fécule de maïs. Tout simplement parce que j'en avais pris une fois, mais c'était de la sous-marque. Et honnêtement, comment vous dire que ça ne fonctionne pas super bien. Alors, là c'était pour moi des presses goût tout choco. Comme ceci. Je les adore ceux-là. Le soir avec mon petit cacao, c'est mon rituel du soir. Alors, attendez que je regarde, parce que normalement, il y en a deux. Il y en a deux. Des Pringles Texas Barbecue. Donc, il y en a deux. Ah! J'aurais pu prendre les gros pots, mais il n'y en avait plus. Du moins, ceux que nous, on voulait, il n'y en avait plus. Ensuite, mes préférés. Donc, ce barbecue, c'est les préférés de mon mari. Et moi, c'est ceux-là. Donc, crème oignon. Ils sont vraiment super bons. Et la petite, ça en est pris un seul. J'ai dit qu'elle pouvait en prendre deux, elle en a pris qu'un. Un Pringles original, donc au sel, comme ceci. Et pour continuer dans les chips, mais on l'a tué hier soir, il y avait un grand chips sous marque, de la marque Delez, au sel. Et je pense que c'est tout dans les chips. Donc voilà, fait dans ce... sinon ici, nous avons pris pour essayer le Pringles édition limitée New York Hot Dog. Comme ceci. Je me suis dit déjà que Texas Barbecue a un bon goût, la crème oignon aussi. Je me suis dit pourquoi pas tester celui-là. Alors ça m'avait manqué, hein? Du quata blanc, donc du choco à tartiner, mais blanc, du chocolat blanc, comme ceci. On est d'accord que c'est que du gras et que du sucre, hein, mais moi le chiffre sur ma balance ne me dérange pas, donc... Alors, pour le stock, oui, encore de l'industriel. Allez-y. Là, pour une fois, je ne fais pas de remarques. Allez-y, vous pouvez me le dire en commentaire. Je vais rigoler un petit peu avec mes petits abonnés. Des pasta snacks. Là, c'est carbonara, je crois. Donc, il y en a deux. De la marque Nord. Toujours pasta snack, sauce goulash, si je dis pas l'erreur. On en a deux aussi. Et je croyais que j'en avais un autre, mais je n'en ai pas alors. On verra bien si c'est perdu dans les courses. Alors, ça c'est mon petit plaisir à moi. Du beurre de cacahuète. Ça, sur une tartine le matin avec de la confiture. On le voyait à ma tête que c'est bon, hein. Alors, ici, des saucisses de Frankfurt. Donc, 1, 2, 3.
3, pareil, c'est pour mettre dans le stock. Donc, des comme ceci. Il y en a bien 3. Comme ça, on est tranquille et quand on a envie de hot dog, il y a les saucisses. Ou de choucroute. Peu importe. Alors là, de base, il y en avait 2 paquets. 2 paquets de 2. La petite en a mangé un en revenant et elle en a pris un pour l'école. Je crois. Oui. Donc, les mini salami, comme ceci. Donc, à la base, il y en avait 4. Donc 2 x 2. J'en ai profité. Parce qu'honnêtement, quand j'avais fait donc le menu chinois, donc le menu de la Saint-Valentin spéciale Nouvel An chinois, j'avais pris des nouilles chinoises de la marque Soubri. Comment vous dire qu'elles étaient vraiment super bonnes. Et là, j'ai fait le plein. Elles étaient vraiment pas chères. Donc j'ai. Je suis désolée pour le bruit encore. 3 paquets. Ça va tomber. 3 paquets de nouilles. Franchement, elles sont vraiment très très bonnes. Maintenant, je n'écoute pas leurs consignes, honnêtement. Parce qu'il est inscrit 4 minutes sans cuire. Ce qui veut dire, en gros, hein, que vous les plongez dans de l'eau bouillante. Vous les laissez 4 minutes et ensuite, vous pouvez les manger. J'ai testé. C'est dégueulasse. C'est vraiment pas bon. Donc moi, je crois que je les ai laissés 10 minutes. Mais dans l'eau qui... Donc je les ai plongés dans de l'eau bouillante. Et je les ai laissés cuire vraiment à feu doux pendant 8 minutes. 8 ou 10 minutes. Elles étaient excellentes. Elles ne collent pas. C'est un petit bonheur. Alors, ici, la petite en avait profité. Elle s'était repris des Danonino à la fraise. Comme ceci. Donc il y en a 6. C'est le bien connu. Alors, bah, totalement, elle l'avait ouvert. Paquet Milka Oreo. Donc, il y avait 5 barres dedans. Comme ceci. Mais il est déjà ouvert. Remarquez, il n'y a pas qu'elle qui a déjà ouvert certaines choses pour manger hier. Alors, fatalement, la fille qui montre ça après avoir montré les chips et le chocolat. Du dentifrice Signal 7 ans et plus. Menthe douce. Mon mari l'a montré à la petite. Et la petite qui vient, maman, regarde un dentifrice, mais moi, j'aime pas la menthe. Ben, je dis, c'est pas grave, je vais le prendre pour moi. Mais je l'ai pas pris parce que c'était à la menthe douce. Non, non. J'espère que vous allez le voir parce que mon téléphone, des fois, il veut pas faire le focus. C'est juste pour ça. Et honnêtement, de toute façon, il sort bon. Et je préfère la menthe douce. Voilà. Alors, dans notre habitude. Les granini à la pomme. Alors, j'essaie de parler le plus fort possible parce qu'il y a des travaux devant, qui n'ont rien à voir avec chez nous, mais devant. Et les élèves qui remuent les chaises au-dessus, donc c'est pas évident. Donc, pour la petite, 2 granini à la pomme. Comme ceci. Alors, pour maman, granini à la banane. Là, je ne vais pas tous vous les montrer, mais il y en a 4. Et 2 granini à la framboise, comme ceci. Ils sont vraiment très très bons. Oh. Ils sont vraiment très très bons. Ça, je vais le garder pour après, parce que vous allez foutre de moi. C'est clair et net. On va dire, mais t'exagères quand même. Bah oui, bah... Alors, ici, on va faire le plus lourd. Donc, 4 fois 1 litre, l'espa pétillant, pastèque, kiwi pour mon mari. Donc, on a un pack de 4 et il y en avait un autre le même de 4, mais là c'est juste que mon mari en a pris une, c'est ce qui est normal. Alors, toujours la même chose, pas pétillant. Comment on appelle, je le dis 50 fois, plus c'est dingue. Oh la honte. C'était, attendez, il prenait le spa pétillant kiwi pastèque, il prenait à la pêche, il prenait au citron, pamplemousse, on va y arriver. Donc 4 fois 1 litre, aussi, mais c'est pareil, il en a pris une. Alors, la même chose, là de base, il y en avait 6. Oasis, pour la puce. Toujours pour la puce, des Capri Sun Safari Fruits.
tout sable aussi. Alors oui, quand j'y suis, c'est Odélaise aussi, la petite avait pris un œuf comme ça. C'est un œuf Playmobil. Donc, il est vrai, j'avais dit à mon mari, sépare-le à la caisse, étant donné que ça n'a rien à voir dans les courses, je vais enlever ça de l'enveloppe autre dépense. Vous pensez qu'ils l'ont fait? Non. C'est qui a dû modifier dans les enveloppes après? Moi. Alors, j'ai fait le plein de petits sachets d'épices pour être tranquille. Mais il m'en faudra, de toute façon, il va falloir des pots. Donc ici, j'avais pris des feuilles de laurier, 150 grammes, comme ceci. Alors, après, c'est tous des petits sachets. Du hachis, donc de l'épice pour hachis prêt à l'emploi, comme ceci. Épices hachis aux oignons. Épices, donc wok, 5 épices chinoises. Épices pour pita. Pour la goulache, pour les carbonades, pour les fajitas, pour du hachis aux fines herbes et pour le poulet. Voilà pour les épices. Et comme dirait Homer, lâche tes épices et puis c'est tout. Alors, la petite en avait profité également pour reprendre des gaufres molles aux œufs. Je les aime pas, ceux-là. Comme ceci. Donc, il y en a 12 à l'intérieur. En même temps, elle avait pris un Bifi XXL. Comme ceci. C'est bien qu'elle aime bien, donc pas se prendre la tête. Alors... Oui, parce que là, par contre, c'est pas rangé. Et c'est là qu'on va me dire, « Oh, on voit que c'est toi qui étais au Luxembourg, t'y as pensé, Laetitia. » Et c'est dans ça qu'il en manque un, justement. Je vous le dirai après. Je vais d'abord vous montrer ceux qui sont tout seuls. Chocolat galère noir praliné. Donc, on en a un comme ceci. Du noir caramel. Du noir café liégeois. Et il y en avait un qui était tout seul également, c'était le chocolat galère blanc pistache. Vous vous rappelez de ce que j'avais dit avec le chocolat galère blanc pistache? Que de base c'était moi qui aimais bien et que mon mari avait goûté et que je n'avais même pas eu droit presque à un carré entier. C'est qui a mangé là, la barre de chocolat, pistache, chocolat blanc? Voilà, voilà. Donc il y en avait normalement une, j'aurais dû en prendre deux, mais bon, tant pis. Alors, toujours dans le chocolat galère, là il y en a deux, du lait praliné. Hop, il y en a deux. Là j'ai prévu le coup, j'en ai pris deux. Les autres, je sais bien qu'il n'y a que lui qui aime bien, plus ou moins. Alors ici, deux laits croustillants. Deux blancs pralinés. Et pour finir, deux blancs Manon. Voilà pour le chocolat. Oh, maintenant, vous me connaissez. Vous savez comment je suis. Et puis, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien le chocolat galère. Donc, voilà. Et mes loustiques, je n'avais plus du tout de place dans mon téléphone. Et en plus, à cause de ça, vous avez raté mon chéri, parce qu'il était revenu pour vite prendre 2-3 sous pour aller chercher une baguette. Et je me suis dit, je vais arrêter le téléphone. Et là, je vois stockage saturé. On adore. Donc, je disais, par rapport aux promos que nous avons d'habitude sur les boissons et sur certains aliments ou peu importe, ces moments-ci, ils ne le font plus.
mais on a eu quand même un peu plus de 5 euros en moins sur la note, donc ça couvre vraiment le tout, même un peu plus. Pourquoi? Parce qu'on a pris 12 canettes, donc 12 fois 150 ml de coca. Et en fait, ce pack-là, c'était un pack acheté et le deuxième à moins 50%. Sauf que la madame, elle en a compté qu'un. Donc, on a gagné un petit peu plus de 5 euros. On va pas se plaindre. Hein. Alors, pour mon chéri du Lipton Morgue et Fruits de la Passion, donc l'ice tea non pétillant, comme ceci. Il voulait pas, je dis écoute, c'est pas pour le prix, c'est vrai que c'est 8 euros les 6 bouteilles. Mais quand on voit le prix ici, la bouteille elle est déjà à 1,89€. Vous faites x 6, vous... voilà quoi. Hein. Alors, ils y étaient cette fois-ci. Donc, des canettes Monster Rose comme ceci. Donc, il y en a 4. Et 8. Et ensuite, toujours un Monster, les mauves. Donc là, c'est pareil, 4 et 4. Donc 8 en tout pour les mauves et 8 pour les roses. Alors un Monster, je n'ai pas pris plus. Par contre, petit aparté, hashtag raconte ta vie Laetitia. Les verts, les monsters verts que vous avez vus la dernière fois que mon mari m'avait pris, il n'y en a plus. Les couleurs beige, il n'y en a plus. Il me reste plus qu'une canette de monster au citron vert gingembre. Et il me reste encore les 8 canettes Valentino Rossi. Donc je me suis dit, c'est pas plus mal. Le plus gros, je vous le montrerai après. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris moins de monsters. C'est pas pour le prix, parce qu'honnêtement, elles sont vraiment moins chères. Au Luxembourg qu'ici. Mais bon. Donc pour la petite, 12 x 33 cl de Nestlé Pure Life. Donc celle-là. C'est toujours à notre habitude. C'est où elle prend ceux-là, ou les Evian, ou elle choisit de toute manière. Toujours pour la puce. Il y en a combien? 3, 6, 9, 12. Toujours 12. De 33. Ouais. 50 cl. 12 x 50 cl. De cristalline pour la machine à café, la Dolce Gusto. Je prends toujours celle-ci, donc la cristalline en 5 litres. Là, on n'en a pris qu'un. Fait qu'une bouteille. Vous verrez qu'on manquait de place. Ensuite, pour mon mari, les plus petites, donc 6 x 50 centilitres de Spa Pétillant Kiwi, kiwi Pastèque. Une fois 6 et on en a pris 2 pour tenir également. Bon, voilà pour ça. Et en petite, donc toujours 6 x 50 centilitres au pamplemousse. Donc là, on n'a pris qu'un pack de 6. Comme ceci. Alors, avant de faire le plus gros, il ne reste plus grand-chose de toute façon. Vous vous souvenez, lors du dernier retour, enfin l'avant-dernier retour de course, j'avais pris un pot de mayonnaise à l'Intermarché. Bon. Le dernier retour de course, j'avais pris deux pots, enfin de Calvé. Et ici, je me suis dit, bah, Laetitia, profites-en, tu vas au Delhaize, prends plus ou moins celle que tu aimes bien, parce qu'on n'aurait pas eu le temps d'aller à l'Intermarché. Donc j'ai regardé et c'était une promo. C'était à acheter plus à offert. Me connaissant, je préfère et je sais que celle-là elle est très très bonne. Donc c'est la mayonnaise Hellmann's, donc Real ou Real, je sais pas comment on lit, ouais. Aux œufs. Donc il y en a 2. Comme ça je suis sûre, mais ce n'est pas pour autant que si je vais à l'Intermarché que je ne prendrai pas de la mayonnaise. Parce que oui, vous le savez, d'habitude je prends celle du Colruyt. Je l'adore, mais je sais pas, celle de l'Intermarché, elle est... Je sais pas comment, elle est vraiment... Elle est épaisse quoi. Et ça j'adore. Et le goût. Bref. Alors dans les courses, c'est tout sauf une chose. Alors, je vous avais dit que j'ai fait exprès de prendre moins de packs de Monster. Parce que je vous savais que je fonctionne à tout ce qui est sous-marque Red Bull, Monster, bref.
Et la dernière fois, c'est vrai que j'ai demandé à mon mari de me prendre un pack. Et comme il n'avait plus de place, il n'a pas su. Donc je me suis dit, autant le prendre maintenant. Comme ça, je suis parée pour le mois et surtout parée pour le week-end prochain. Donc le fameux live 24 heures. Donc, un plateau. Oui, carrément un plateau, on va pas se mentir. 6, 12, 18, 24, de 24 canettes. Donc la sous-marque du Red Bull, mais en marque Deleuze. Voilà, voilà. Donc, vous avez peut-être tremblé. Voilà. Donc, en toute logique, c'était tout. Je sais que la petite s'était fait plaisir. Il y avait aussi... mon mari avait pris Family Pack d'Activia, mais 0% aux fruits. Donc il y en avait 12. La petite s'était pris des petits pots à la crème, donc les yaourts, il y en avait 6. Enfin 6. 6 petits pots, hein, pas 6 packs. J'avais également repris deux fois 250 g de lumettes de lardon fumées. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'était tout. Il n'y avait rien d'autre. Donc pour tout ce que vous avez vu là, mais de toute façon, je pense que peut-être je vous mettrai les prix. Honnêtement, c'est pas sûr. Parce que ça prend quand même assez vite de temps et la plupart des choses, je l'ai déjà dit. C'est souvent les mêmes choses qui reviennent quand on va au Luxembourg. Mais soit je vous mets les prix, mais pour vous dire le montant total au Deleuze, on en a eu pour 195 €. On fait pas des grands yeux, de toute façon ça nous regarde. C'est parce qu'au moins on demande de mettre les prix. On me demande de donner le montant. Si maintenant il y en a qui trouvent que ça fait cher, ben, tant pis pour vous. Nous, ça ne nous dérange absolument pas. Donc c'est pareil, si c'est pour critiquer, ben, je te dis à la prochaine ou à jamais, comme d'habitude. Et puis voilà, ici je vais vous laisser parce que mon mari est là et il va manger. Donc je vais lui faire de la place. Donc mes petits loustiques, à mon habitude, je vous dis... Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tu viens quand même faire un coucou avant de dire au revoir, si on t'a pas vu. Je l'ai fait. Mais tu fais juste un coucou. Puis viens, moi je vous dirai au revoir après alors. Allez, tu fais un petit coucou. Coucou. Voilà. Oui, parce qu'il...